Eh bien, il suffit de s'inscrire, d'envoyer un. On va refaire ? On va refaire. Il s'agit aussi autour de ce cycle de créer le désir et en tout cas de faire comprendre aux jeunes l'importance de discerner sa vocation. Pourquoi je participe au cycle ? Parce que je pense que c'est un peu un devoir de chrétien de se poser la question de sa vocation. Le cycle Saint-Jean-Paul II n'est pas uniquement tourné vers la vocation de prêtre, sacerdotal. Ce cycle Saint-Jean-Paul II s'adresse à des jeunes hommes qui ont le désir d'être un saint et d'être de grands saints. C'est en fait le désir de Dieu pour chacun. Et la vocation est vue comme ce chemin, cette autoroute pour devenir saint. C'est un ami qui m'en a parlé, qui l'a fait il y a 2-3 ans maintenant et qui aujourd'hui va se marier. C'est un week-end par mois et le lieu c'est principalement dans des abbayes ou des monastères. Donc on va à la rencontre de différentes congrégations. Alors pourquoi avoir choisi Saint Jean-Paul II comme saint patron du cycle ? Tout simplement parce que Jean-Paul II est vu à la fois comme un missionnaire des vocations et un prophète du sacerdoce. Pendant les week-ends, il y a principalement des topos, des enseignements, également des temps de prière avec les moines ou sans les moines, des temps d'oraison. Et voilà, on est particulièrement aussi en silence pendant ces week-ends. Donc celui qui, un jeune homme qui a le désir d'être un saint, tôt ou tard, doit se poser, c'est un devoir de chrétien, la question de la vocation. Seigneur, où m'appelles-tu ? Où veux-tu que je me donne pour toi ? Ça nous fait vraiment grandir. On se rapproche vraiment de Dieu par cette relation qu'on met en place. Donc du coup, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans la vie consacrée, ça peut être dans le sacerdoce. Eh bien, si tu veux t'inscrire au cycle Saint-Jean-Paul II, et je t'y invite bien sûr fraternellement, il suffit d'envoyer un mail. Tu veux être un grand saint, discerne ta vocation. N'aie pas peur de discerner ta vocation, car discerner ta vocation rend libre et heureux.